Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Supreme Commander Forgot Alliance. Et aujourd'hui nous attaquons la cinquième mission qui s'intitule l'opération Jeu d'Esprit avec les Cibrans. Après embuscade sur Hadès et la mort du commandeur d'Hélice d'Ostia, la décision a été prise d'étudier Lyaku une bonne fois pour toutes. Grâce aux informations obtenues auprès du module des 7 mains, la coalition a découvert l'emplacement des systèmes principaux de Lyaku. Une fois que vous aurez établi une tête de pont, vous serez rejoint par le brigadier général Fletcher, Dr. Brackman arrivera lui-même, en temps voulu, pour détruire personnellement l'intelligence quantique. Il faudra bien sûr protéger le docteur à tout prix en l'escortant vers l'IAQ. La faille quantique que les Séraphim ont utilisée pour traverser notre galaxie est instable, ce qui les a empêchés d'appeler des renforts. Nous avons cependant appris qu'ils construisaient une arche quantique dans l'espoir de stabiliser la faille. Quand l'arche sera terminée, les Séraphim seront capables d'appeler un nombre incalculable d'unités en renfort. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Nous avons organisé des raids contre le module des 7 mains, et nous avons récupéré tous les renseignements possibles. Oh oui. Pendant l'un de ces raids, nous avons appris que le système principal de l'IAQ se trouvait sur Pearl 2. L'IAQ doit être détruite, mon petit. Doit être détruite. Je vous accompagnerai sur Pearl 2, et je l'éteindrai personnellement. Oh oui. Puis, nous utiliserons les codes des portes pour rentrer directement sur Terre, en dépassant les autres systèmes. C'est notre seule chance de détruire l'arche avant qu'elle ne soit terminée. Si nous n'obtenons pas ces codes, nous ne pourrons pas atteindre la Terre. Les systèmes qui l'entourent sont trop lourdement défendus. L'IAQ est une monstruosité. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû la construire. J'ai eu tort. Oh oui. Beaucoup trop d'erreurs doivent être réparées. Mais pour celle-ci, je peux faire quelque chose. Et je vais le faire. Quoi qu'il en coûte. Commandeur, vous serez transporté pour établir une tête de pont. Une fois la zone sécurisée, le brigadier Fletcher vous rejoindra suivi du docteur Brackman. Je vous dis à bientôt, mon petit. Bientôt. On pourrait pas inverser, hein. C'est le Fletcher qui crée la tête de pont et qu'après moi j'y arrive juste en renfort. Non mais ça serait plus simple quoi. Votre premier objectif est de purger la zone de toute présence ennemie pour que Fletcher se transporte et construise une base. X5 et l'IAQ opèrent dans le secteur. Alors soyez prêts pour une grosse bagarre. Préparez-vous, commandeur. QG terminé. X5 possède quelques bases mineures dans les canyons. Détruisez-les. QG terminé. Allez. Faut qu'on se dépêche, là. Une loyaliste nommée Amalia est retenue dans une prison située à l'est, celle dotée d'un marqueur. Prenez le contrôle de cette prison et libérez Amalia. Terminé. Alors, deux petits robots, c'est pour contrer les petits assauts ennemis. Et les ingénieurs ennemis pendant que mon IBC va construire tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Il est gradé, il va se réparer lui-même. Alors, je vais construire deux usines pour rapidement pouvoir produire une production assez soutenue d'unités. Bon, comme vous voyez, je construis déjà de la masse, beaucoup de masse, m'en faut beaucoup, donc plein d'extracteurs assez tôt. Il me faut vite un radar pour rapidement pouvoir savoir d'où vient les troupes adverses, surtout les ingénieurs, pour pouvoir rapidement bouger ces troupes-là. Voilà. 5, 10, 10 de masse énergie, j'ai presque ce qu'il faut. Demander un petit peu de ressources, mais ça devrait peut-être être fait.
Non mais tue-le moi. Je vais installer des têtes de défense de tech 1, ça ira plus vite. Ça consomme énormément de ressources, ce qui est un problème, mais bon, j'ai pas le choix, hein, vu qu'apparemment... Mes troupes n'arrivent pas. Ah, donc une tête de défense là-haut. Ici, c'est récupéré, eux ils vont me recycler ça. Ensuite il me faut rapidement ça, donc on va déjà commencer l'amélioration même si ça c'est pas terminé. Et après on pourra commencer à produire énormément. Ok, un missile. Pas mon signe, il faut vite que ça soit terminé cet extracteur là. Donc je compte sur énormément de DCA. Donc mobile bien évidemment. J'ai pas vu qu'il m'avait piqué ça là-haut quoi. Donc la DSA est très vite mis en place, c'est bon. Donc il faut rapidement. Donc ça rapidement améliorer ça. Les premiers sauts de combat sont arrivés. Malheureusement plutôt que prévu, mais bon. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai autant rushé l'entière. Alors ils peuvent raser les structures en, entre guillemets extérieures. Donc se dire mes extracteurs de masse, mais pas les 4 intérieurs, faut vraiment que je les protège. Surtout les deux tech 2. Les autres, bon, bah, si je peux pas les protéger, je peux pas les protéger, mais. Faut faire mon maximum, quoi. Ma responsabilité est tellement grande. Oh oui. Le programme de loyauté. Miyaku. Des choix inconsidérés ont été faits. Inconsidérés. Il est temps de réparer les choses. Oh oui. Tout réparer. Soyez prudent, mon petit. Il faut vite finir le bouclier. Pas le choix, je suis vraiment à court de ressources, je dois... Alors c'est toujours aussi dur cette mission, hein. je vous rassure. Enfin, je vous rassure ou pas. Amalia est toujours prisonnière.
Sauvez-la si vous pouvez. Terminé. Cette mission n'a jamais été simple et ne sera jamais simple. Si je perds ce 5 heures de masse, ça sera bien plus dur. D'ailleurs, ici, il faut que je fasse ça. Non, non, vite, 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 interviens, s'il te plaît. J'ai mis trop de temps à intervenir. Des têtes de défense type Tech 2. Alors je sais qu'au nord j'ai une immense armée anti-aérienne, mais j'ai pas le choix. Il me faut au moins ça. Là, je prévois des tanks de Tech 2 pour attaquer à cette petite base là. Faut jamais avoir ça aussi, parce que sinon j'aurai jamais les ressources. Il y en a. Au sud, c'est simple. Si au sud, mes boucles, c'est mes tourelles qui prennent l'agro et pas mon extracteur de masse, c'est bon. Au nord, ce sera pas aussi simple, mais bon. Et tant que j'ai ça qui tient, c'est... Il me faut plus de tanks. Bref, c'est les tanks qui prennent les coups, encore une fois. Des missiles, le premier groupe adverse, cette attaque là sera peut-être insuffisante, mais bon, on doit quand même à un moment envoyer les assauts, essayer de démolir ce qui nous pose problème depuis tant de temps, donc démolir les déjà la première forteresse, enfin la première base avancée d'Ex 5 dans les canyons. Ça c'est pas plus mal. Donc ici on va rajouter un générateur Tech 2, renvoyer une salve de véhicules. Mes défenses vont pas tenir. Sont pas très puissantes mes défenses, ce programme. Elles sont pas assez, ils ont pas assez de puissance de feu, quoi. Par rapport à des triades ou bon, ici, ça a l'air de tenir le coup.
on va garder cet enclin en... Bah, il faut maintenant de nouveau temps. Ça passe très mal la mission. Ça, je pense que vous êtes en rendu compte, mais bon, c'est le problème de cette mission, ça passe toujours très mal. D'accord, en fait, ils avaient apporté, mais pas moi sur eux. Ah, parfait. Ils sont arrêtés une ruche. Je vous laisse deviner la raison. Il y a de l'artillerie quelque part qui est en train de me canarder depuis tout à l'heure. Voilà. Apparemment, il n'y en a pas qu'une, ce que je vois. Après, lui, il y a besoin de me construire ça, sinon je vais pas avoir assez de ressources. J'ai un freeze, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai perdu 15 FPS d'un coup. Donc m'en excuse. Allez là, ça devrait être bon normalement. Je vais refaire encore derrière une autre save de tank. Parce qu'il m'en fout plus. Toujours pour faire face, l'usine est détruite, c'est parfait. Bon. Le maître vous punira pour ça. Une usine de moins. C'est déjà agréable, ça fait déjà une pression en moins. Donc ici, il faut que j'améliore le poste d'ingénierie. Bon, ça va, ici. Pile à la limite du bouclier, donc ils ont le temps de rentrer dedans. Canarder sans que je puisse canarder, c'est pas grave. Bon, mes têtes de défense sont bonnes, le bouclier est bon. Bon, maintenant ça sera attaqué à base là où ça sera un peu plus compliqué, mais ça devrait le faire aussi en temps venu. De toute façon, chaque chose en son temps. Voilà, j'ai eu mes grandes difficultés en début de partie. La FTU, j'ai eu le même souci, je vous rappelle. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Mais je m'en suis sorti. Même si c'est tendu, même si parfois je trouve qu'elle est dure, ben, c'est le jeu. Hein. Tout n'est pas forcément facile. Et ça d'ailleurs, je vais améliorer le bouclier d'un rang. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tanks. Bien plus puissants que des chars rhino. Les chars amphibies, en fait, l'ironie, sont plus puissants que des chars rhino. Pourtant, c'est des chars amphibies. Normalement, ils devraient compenser le fait qu'ils sont amphibies par une puissance un peu inférieure, mais c'est pas le cas. Bah bon, c'est pas grave. Quant à nous, il faut rapidement qu'on finisse ça. Alors on peut envoyer un groupe intercepter ça, c'est pas mauvaise idée. Peut-être d'artillerie ou... Non, pas encore, pas d'artillerie. Là, il nous faut deux ADCA, pas pour le groupe du Nord, parce que je pense que l'ADCA est encore assez conséquente. Mais ça sera pour l'assaut sur deuxième base X5, la base aérienne ici. Donc il y a besoin d'apporter le matériel. Le mec
qui me répare ça. Il me faudra aussi un peu d'artillerie, je pense. Alors je reste énormément en tech 2, mais j'ai pas que choix. Je crois que je passe un extracteur de masse en tech 3, non pas encore. Bon, peut-être que j'envisage de passer du tech 3, que j'envisage de faire un peu plus de générateurs aussi. Donc ma DCAGAO, elle tient toujours Gaffron, c'est parfait. Les Séraphines sont les véritables dieux, ne l'oubliez jamais. J'ai mon premier extracteur de masse de Tech 3. Nettoyez la zone, commandeur. Fletcher est paré au transport. QG terminé. Je vais augmenter encore les aires d'effet des boucliers. Toujours dans le but d'avoir la plus grande aire d'effet pour le plus de boucliers possible. Bon, les hoplis ils font bien rouler en plus. Les bases de X5 sont toujours une menace. Terminé. Alors, on va envoyer tout ça ici. Niveau de l'énergie, ce sera pas un problème. Je me permets d'avoir un bouclier de tech 2. Ça, c'est des petits frelons. Donc, ça, c'est des... on a vu des vaisseaux de combat de tech 1 qui l'ont envoyé. Parce qu'on a vu le petit cran en dessous. Vous voyez, ici, il y a deux petits crans. On a vu des crans, un seul cran. Donc, on a dit c'est du tech 1. D'accord, ça c'est un groupe de défense mobile d'artillerie. Ah, j'y avais pas construit en tech 3. Intéressant. Donc on continue d'améliorer les boucliers jusqu'au dernier tech. Bon, mais ma défense n'est pas optimale du tout, sachez-le. J'ai fait une défense rapide pour faire face à la situation, donc je suis sûr qu'on peut l'optimiser et faire bien mieux. Mais compte tenu de la situation dans laquelle je suis, je pense que c'est déjà pas mal du tout. Ouais, faut pas... s'il vous plaît, mieux la formation. Il y a deux points de défense tech 2. Voilà. Or, une fois que j'aurai détruit cette base-ci ainsi que celle-ci, j'aurai dégommé un moteur de sa production aérienne normalement. Oula. J'ai dit stop. Tu viens cette pénurie de courant? Mais attendez, il y a un bug. Ah, c'est ça. Ah ouais, bah ouais. Et bon, on sait d'où vient le problème de courant, c'était ma ruche qui a assisté, qui a consommé tout le courant. Putain, ça m'a fait peur, l'espace d'un instant, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai encore foutu. Non, c'est bon. Je suis rassuré. Il
Voilà, donc là-haut, ça commence à être nettoyé. Donc on va améliorer les ressources. On va pouvoir passer en tech 3 enfin. Depuis le temps, je pense que vous attendez ça. Mais bon, c'est une mission qui est tellement plus dure que les autres aussi, donc... De mon avis personnel, la mission 2 est assez compliquée, je ne vais pas le nier, mais beaucoup plus facile à gérer que cette mission-là. Certains seront d'accord avec moi, diront que celle-ci soit plus dure, d'autres ne seront pas d'accord, j'espère que vous deux avis. Mais quand on y réfléchit un peu, ça se voit vraiment que c'est celle-ci la plus compliquée. La mission finale, même si... Ça va vite en pénurie de ressources, donc ça sert à rien. Elle assiste trop. C'est pas grave. Mes agents de Tech 2 vont me servir plus à rien maintenant. Je vais attendre que mon DC soit Tech 3. Bon, là le bon point c'est que mes boucliers tiennent le coup, j'ai beaucoup de générateurs d'énergie, certes de tech 2 mais j'avais pas le choix hein, dans la situation dans laquelle j'étais. Je vois, maintenant je vais pouvoir faire ça, je sais plus combien de... Et on va finir avec l'aviation en mettant quelques défenses. S'il vous plaît, commandeur, sauvez Amalia. Vous a terminé. Cette défense, enfin la ruche finalement me sert à rien. Et j'aime pas en fait avoir des productions d'usine en décalé. Sauf si je l'ai fait volontairement. Sinon je déteste. Donc l'énergie ça sera bientôt bon là. On va un groupe naval qui va se... enfin un groupe amphibie. On sait déjà qu'on va devoir avoir besoin de nos loyalistes. Bon, là j'ai une coïncidence que mon bouclier là où j'ai positionné il couvre en même temps ça. Couvre bien les trois bâtiments, si couvrirait celui-là ce serait parfait. C'est une pure coïncidence hein. Parce que je connais pas encore suffisamment bien les zones d'effet de ces boucliers pour être certain à chaque fois de les avoir bien mis. Et vu comme je les joue très souvent et vous savez comme je les aime bien. Enfin les six branches par la faction. Parfait. Une fois que j'aurai un sam à défense, je ferai un raid comme ça et j'essaierai de passer en deux patrouilles pour dégommer la base là. Et je pourrais à rigueur essayer de bien prévoir mon assaut pour tenter après pourquoi pas d'essayer de raser ça et pourquoi pas toute la production adverse. Mais j'en doute que mon premier raid puisse faire tout ça. Il faut raser, faut dégager tout ce qu'il y a dans cette zone là pour qu'il puisse arriver. Voilà, donc là, ADC a fait largement son boulot, ADC Tech 3. La masse, j'en aurais pas assez, mais c'est pas. Enfin, si, je dois avoir les stocks. Ça demande... Ah oui, que ça a 5000 en. Ah oui, je suis bête, ça change pas le nombre d'unités qu'il faut. Bon, bah, on a gagné de la masse supplémentaire. Ici, c'est bon. Là, on va. On va annuler. La micro, on demande encore 3 générateurs d'énergie en plus. On s'est pris un double raid qu'il a fallu passer, mais c'est pas grave.
En vrai, avant, je suis d'accord avec vous, la préparation est vraiment longue, laborieuse. Mais elle est nécessaire. Je peux pas me permettre de faire à va-vite une base ou de faire à va-vite mon armée. Je suis obligé de passer quand même un certain temps quand même pour la développer. Pour être sûr qu'elle tienne le coup. Par contre, la décision, je vais peut-être en faire plus que ce que j'avais pensé à la base. Alors oui, là, il va vraiment y avoir un gros assaut de ma part. Je pourrais prendre ça avec cet assaut. La priorité, c'est vraiment de dégommer leur aviation. Encore une fois, version V, la prise... Enfin, pour faire simple, il n'y a que l'aviation qui me pose un réel problème. Voilà, il y en aura 12. Parce que faire des défenses terrestres, c'est pas un problème. Enfin, arrêter les raids terrestres avec les FTU, c'est encore plus simple, mais avec les Cibrans, ça peut le faire aussi. Une fois que je peux m'installer là, ça ira mieux. Mais actuellement, c'est pas le cas. Fletcher est paré au transport, commandeur. Nous attendons que vous ayez nettoyé la zone. Terminé. Voilà. Les bricks. Quoique, je viens de neutraliser le col. Purement par opération de nettoyage, quoi. Aucune intention de faire. Est-ce qu'en avis, la tour à gare aurait pu peut-être me tirer en dessous? J'en doute, mais donc. Toujours être prudent hein, dans ce jeu. Détruisez les bases mineures de X5. Terminé. Ah, c'est que de la DCA, ça, d'accord. La dernière base mineure va tomber, là. Vous vous agenouillerez devant les Séraphim. Les bases secondaires de X5 ont été détruites. Terminé. J'ai pas eu 500 000 d'énergie en stock, voilà. Enfin, de toute façon, le stock d'énergie, ça a rien d'en faire. En tout cas, l'énergie, ça prend une place de bâtiment, ça rajoute que 2000. Donc, le stockage d'énergie est totalement inutile, donc je... Ouais, vous pouvez ne pas vouloir m'écouter, mais bon, je vous aurais donné. Pour ce coup, je vous ai donné un bon conseil. L'illoyalisme manque vraiment de portée, je trouve. Il y a beaucoup de choses que je reproche aux unités Cibran. Alors... D'accord, ils ont 3 usines aériennes, début d'année que 2. Là, les dégâts que je suis en train de leur faire sont quand même assez importants. Juste de quoi ben, neutraliser leur production. Une fois qu'ils ont plus de production, on sera bien tranquille. Si votre cher docteur Brackman n'a pas pu me contrôler, quelle chance avez-vous? On va te raser. Je vais peut-être en... les bricks. Ouais, j'ai envoyé mes bricks en plus. Faut vraiment que j'arrive à terminer cette base. Je peux pas me permettre de... Enfin, juste la production. Ma base n'étant pas encore opérationnelle pour la suite de la mission. Voilà, donc ça, c'est déjà fait. Je crois qu'il reste plus que ces usines là. Ou il reste encore des usines terrestres, d'accord.
Il n'y a quasiment plus rien. Donc maintenant, hop, hop,